Bonjour à tous et bienvenue sur guylainepierry.com. Aujourd'hui, je vais encore vous parler d'une qualité humaine indispensable au métier de manager, à savoir le sens du contact et des relations humaines, autrement dit, aimer sincèrement ses artistes et aimer les gens en général. Alors, selon moi, c'est vraiment très important qu'un manager aime les gens, aime son métier, mais puisse avoir ce contact très important, enfin très étroit avec son artiste, mais aussi avec les producteurs de spectacles, avec le public, puisque ce manager représente l'artiste et qui doit vraiment être ouvert aux autres, aimer les gens. Et je pense que c'est aussi important pour un manager de comprendre son artiste pour pouvoir mieux le représenter. Donc il faut beaucoup, beaucoup d'amour. Alors selon moi, est-ce que un manager doit aimer les gens? Moi je pense que de toutes les façons, quand on fait un métier, quel que soit le métier, on doit aimer ce qu'on fait et aimer l'autre. Moi je crois que c'est tout simplement parce que quand on aime l'autre et quand on partage avec l'autre, même quand on a des frictions sur des choses où on n'est pas d'accord, ça reste dans le respect et c'est respecter les gens. Moi je trouve que le respect va aussi avec le fait qu'on apprécie les gens, qu'on aime échanger, voilà. Oui, je pense qu'un manager devrait aimer les conversations et devrait aussi aimer les gens qu'il rencontre et avec qui il va signer des contrats. Merci Caro, merci Tania pour vos témoignages respectifs. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et comme je le dis souvent, pour moi, mes artistes, c'est ma deuxième famille. C'est vrai que je passe facilement 80% de mon temps avec eux, parfois plus qu'avec ma propre famille. Donc, autant le dire, c'est vraiment ma deuxième famille. Et d'une manière plus générale, le milieu artistique, c'est pour moi une grande famille dans laquelle chacun a ses qualités, ses défauts, ses compétences et ses lacunes. Mais quel que soit Alpha, sa famille, on l'aime. Et puis, ce qui est bien quand on respecte les gens et qu'on les accepte tels qu'ils sont, c'est que ça permet quand même de développer des relations agréables et durables qui plus est. Donc c'est quand même pas négligeable, c'est quand même mieux que d'être en conflit permanent avec la terre entière. Ah, il y a des gens comme ça, je vais pas les citer, mais... Non, croyez-moi, quand vous n'avez pas une belle attitude avec les gens, tôt ou tard, vous le paierez. Parce que la roue tourne. Donc voilà, je peux vous dire que quand vous êtes altruiste avec votre entourage, eh bien, il vous sera toujours reconnaissant de cela. Et je finirai en citant une des phrases favorites de Christiane Taubira, ma consœur guyanaise, « Mieux vaut faire un grand pas à 100 que 100 pas tout seul. »